Mais Isa, est-ce que t'as une lampe à m'acheter? Non. Non, j'ai pas de lampe. Maman, j'en ai marre, j'ai que ça en lampe. Oh, pour t'éclairer? Oui. Mais c'est pourquoi? C'est pour la nuit? Oui, pour la nuit. Ah, bon. Tu peux m'acheter une lampe à lave? Ça coûte cher. Je vais t'en fabriquer une, tu veux? Ouais. Allez, viens. Bonjour tout le monde, on espère que tout le monde va bien. Alors, on fait quoi du coup aujourd'hui? On va faire une expérience. On va faire une expérience qui va servir vraiment à quelque chose. Parce que moi, j'ai que ça, alors ça. On va éclairer la vie, du coup, on va faire, et on va faire une lampe à lave. Avec une lampe à lave. Avec alors, pour faire une lampe à lave, il nous faut du sucre, il nous faut du bicarbonate, et du colorant alimentaire. Alors, il nous faut du bicarbonate. Il nous faut du bicarbonate de soude. Il nous faut du vinaigre avec du colorant de la couleur que vous voulez. Bon, là, on a pris rouge pour faire lave. Il vous faut de l'huile de tournesol. Il nous faut, il faut une lampe pour éclairer la nuit, donc pour mettre en dessous du bocal. Ça, bocade. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors. C'est comme ça que ça va éclairer? Ouais. Hein? Ouais. Alors, du coup, on va prendre d'abord le bocal. On prend le bocal. Dans le bocal, on met du bicarbonate. Du bicarbonate. Il n'y a pas que elle qui verse. Voilà, on met bien comme il faut au fond. On met à peu près ça, c'est très bien. Et moi? Ensuite, manana. Il faut mettre l'huile. Donc, Mélina, tu mets l'huile. Mélodie, tu feras rien parce que tu veux verser. Vas-y, Mélodie, elle mettra le vinaigre. Alors, vas-y, tu mets de l'huile à peu près jusque là. Elle est verse, elle verse. Elle n'est pas peur. Vas-y. Ici, hein. Vas-y. Moi, j'en verse à côté, quoi. C'est pas grave, on est sûr, hein, t'inquiète pas. Vas-y, mets tout, je pense, hein. Tu peux tout mettre, à mon avis. Stop, c'est bon, en fait, stop. Ouais. Oh, t'en as mis trop. Non, c'est bien comme ça. Donc, voilà. Et le vinaigre. On remet d'abord le bouchon sur l'huile, pour pas que ça tombe. Et on nettoie tout. Ensuite, il faut attendre un petit peu que tout le bicarbonate qui s'est soulevé redescende. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'il faut attendre, c'est comme ça. Ah, il y en a déjà qui sont déjà tous descendus, alors il y a bientôt presque fini. Ah bon? Voilà, donc ça finisse, c'est de tomber par terre. Donc en dessous, on mettra la lampe en dessous. Donc la lampe. Comme ça. On allume, voilà. On mettra le bocal dessus. Mets le bocal dessus pour voir ce que ça donne déjà. Waouh, ça éclaire. Ah, ça change de couleur, du coup. T'as mis en. Alors attends. Blanc. On va laisser en blanc. Hein, d'accord. Waouh, waouh. Donc là, il faut attendre bien, tu vois, que tout le bicarbonate normalement redescende. Il y a des bulles qui viennent. C'est parce que vous avez versé l'huile trop vite. Mélina, elle ne voit plus rien, t'es dégoûtée. Oui, c'est moi aussi. Mais il y a beaucoup de bicarbonate là. Et il faut attendre que ça redescende tout. Mais ça descend doucement. Ça descend doucement. Et si on touche dedans, ça fait quoi? C'est de l'huile, tu vas avoir les doigts tout gras. Ah. On peut mettre de la lumière. Tu veux changer de couleur juste comme ça pour jouer? Waouh! Et l'autre? Ouais. Ça fait du slime, on dirait. L'autre. Ah bah. Et c'est blanc. Tout blanc. C'est blanc. Alors après, ça change de couleur tout seul, je crois. Non? Oui. Ouais, voilà. Rouge. Là, c'est quoi? C'est la couleur bleue. Bleu. What? On voit un fond super bleu foncé. Après, c'est tout blanc. Il n'y a pas de vert. Non, je sais pas. Bon, donc voilà. Il n'y a pas de rouge. Tout à l'heure, il y avait du rouge. Là, c'est bon, c'est à peu près tout redescendu. C'est à peu près tout descendu. Ouais. Alors maintenant, une fois que c'est tout redescendu, mets le. Ah!
Mélodie, là. Tu veux voir ça, après ça change de couleur. Ouais. On va mettre. Tu sais quand ça revient. Ah voilà, peut-être là. Du vinaigre. Alors maintenant, Mélodie, tout doucement. Tu vas verser doucement. Tu mets le vinaigre dedans sans en mettre à côté. Dedans. Oh là là, mais ça change de couleur ton truc. Elle est tout. Attends, verse. Allez, verse bien tout dedans. Voilà. What? Doucement, doucement. Voilà, très bien. Wow. Et maintenant, il faut attendre. Les bulles. C'est tout. Tout mouillé. On va mettre le couvercle dessus pour pas que ça se renverse. Oh, c'est trop. Et ça va faire des petites bulles à l'intérieur. Joli. Qui vont remonter et qui redescendre. Attendez-moi. Regardez. 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 Waouh. Donc si on enlève la lumière, on voit peut-être mieux les bulles qui se forment. Ouais, c'est tout tombé par terre. Ouais, mais c'est pas grave. En fait, les bulles, elles vont. Le vinaigre va faire une réaction chimique avec le bicarbonate. Ça change de couleur. Donc ça va créer des bulles. On va faire comme ça pour que ça se mélange un peu. Léna, s'il te plaît, éteins la lampe. Ouais, j'essaye, mais. Bon, on va faire. Voilà. On va juste secouer un petit peu que ça se mélange un petit peu. Voilà. Oui, mais moi je vais aller chercher voilà. De l'eau. Tac. Chiffre. Normalement. Attends, arrête. Attends, attends, Mélodie, s'il te plaît. Je vais. Voilà. Donc, ça crée une réaction. Donc, ces bulles montent et descendent. Et quand on y met sur une lampe, bah, ça fait plus joli. Tu peux voir ? Vas-y. Voilà. On peut essayer. Ouais, on va essayer. Allez, vas-y, mets dessus. Et voilà ce que ça donne. Ah, j'ai les mains toutes grasses. Est-ce que c'est joli? Ouais. Donc, bien sûr, une fois qu'il n'y a plus de bicarbonate au fond, ça marche plus. Oui. Donc, il faut remettre un coup de bicarbonate au fond. T'as vu? Regarde, du coup, ça fait un peu violet, rose. Là, ça fait joli. Hein, ouais, avec lampe le en dessous. Vert. Ah, ah. Ça fait un petit peu... Ça fait la vraiment le chimique qu'on fait. On dirait, tu sais, du... Ah, oh là là. Les extraterrestres, là. Tout ouais. Les extraterrestres. Et rose. Ça ouais. Fait rose, là, blanc. Ça fait, ouais, ça fait girly. Un peu. Et bleu, c'est plus joli. Ah, ça, c'est, ouais. Comme ça, c'est vraiment joli. Ça fait bleu-violet, là. C'est magnifique. Oh, il y a un truc qui est super bien là ici. Il va plus s'arrêter là. Eh bien, bien sûr, ça dure un moment. Hein. Donc, vous allez rester comme ça longtemps devant. Hein. Ça, c'est grave. Non, je l'ai. Moi, elles sont tous pas redescendues. Ah, ben, avant que ça redescende, c'est long. Rose. Mais non, en fait, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? T'as mis toutes les couleurs. Oh, oh là là. Ça fait super joli. Tu vois, il y a des bulles qui redescendent. Celles qui ont redescendu, elles remontent. Oui, c'est normal. Parce qu'en fait, rouge. C'est le vinaigre. Rouge. Les bulles rouges. Les bulles rouges. Et la couleur rouge. Les bulles rouges, Mélina, c'est rouge. Le vinaigre. Et le vinaigre en contact avec le bicarbonate, ça fait des bulles. D'accord. Donc du coup. Oui, mon chéri. Vert. Donc, une fois que le bicarbonate il a été dissous par le vinaigre, hop, la bulle de vinaigre redescend, puis elle remonte parce qu'elle reprend du bicarbonate qui est en dessous, de l'huile. Et l'huile, ça fait flotter. Voilà, c'est ce qui crée le... Voilà. C'est joli quand même, hein. Waouh. Oh là, le regard. Oui, parce que c'est quand j'ai remué tout à l'heure. Et si tu reviens encore une fois, c'est pas besoin, pas besoin. Et voilà la super lampe de Léna. La super lampe à lave. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Super bien. C'est une super expérience encore? Ouais. Bien sûr, bah, les copains et les copines, ils peuvent faire la même chose chez eux, avec l'aide de leurs parents. Et comme ça, ils ont une petite lampe. Ça, on peut y faire avec... moi, j'ai pris un bocal en verre, mais on peut y faire avec une bouteille. On peut y faire avec une bouteille en plastique, une bouteille de coca qu'on a nettoyée, une bouteille d'eau. Si vous avez aimé cette super vidéo, surtout, n'oubliez pas